Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Hello and welcome to Compiègne in France, home of the 1st Foreign Cavalry Regiment of the French Foreign Legion. Join us as we spend some time with the men and take a closer look at the equipment that makes up this incredible regiment. Back in April 21, we started working on a joint campaign with OneRec to help raise awareness and funds for their veterans charity as part of their 100-year anniversary. We aptly named this campaign Legion 100. To tell us more, not only about the charity, but the rich history of the regiment, is the commanding officer. Thank you very much, Colonel. Can you kick us off perhaps by giving us a little bit of an outline history about the French Foreign Legion? Of course. Well, I'm the Colonel Henry. I'm the commanding officer of the 1st Foreign Cavalry Regiment. The French Foreign Legion was created in 1831 by Louis Philippe, who was the king of the France at the time, to enlist foreigners for military campaigns. The French Foreign Legion, since this date, took part within all French military operations abroad, but also on the national territory. The Foreign Legion is part of the army and is composed of around 9,000 soldiers coming from more than 150 countries. Wow. All around the world, serving within 11 regiments. And what about a bit more history about the regiment itself? Yes, the first Foreign Cavalry Regiment has been created in Tunisia 100 years ago. He took part within all the military operations, first in Syria, and especially during two main battles in Rajaria and Misifri, and then in Morocco during the World War II, and in Indochina, in Algeria, and more recently during the First Gulf War, but as well in the Balkans, Ivory Coast, Afghanistan, and Mali, for example. So a very rich history and also very busy. Yes, quite very busy. And can you tell us a little bit more about the Veterans Charity? Yes, so this year we are celebrating the centenary of the creation of the regiment. And so a lot of events are taking place during all the year, especially to raise funds for all wounded legionnaires from the French Foreign Legion. And so that's why we created this strong partnership with World of Tanks to increase the notoriety of this charity campaign, but also to increase the sense of solidarity and the sense of commitment within the young generation. Well, thank you very much. Thank you very much to World of Tanks. Thank you very much to all gamers who took part to this charity campaign. I'm sure that it will help wounded legionnaires to recover, but also to have a better daily life. And so I'm looking forward to continue this raising and this partnership. Thank you very much. Thank you, Colonel. As part of the Legion 100 campaign to support OneRec's Veterans Charity, we've done a lot of great activities together, such as the Thibaut in Shape videos and our fundraising campaign, where we promise to make a donation for every new player who creates an account in World of Tanks PC. I am pleased to announce that to date we have raised 10,000 euros, and that has been donated to the Legion's charity. So a massive thank you to you all. Let's now take a closer look at two iconic vehicles, starting with a tank whose design philosophy concentrated on firepower and mobility, the AMX-30. Although the AMX-30 never saw service with OneRec, it was the workhorse of the French cavalry regiments and a host of other nations from the mid-60s all the way through into the new millennia, and was France's attempt to provide its forces with a potent second-generation main battle tank. With many decades of service, this vehicle has left a mark on the French armed forces, and we have a perfect speaker to tell you a little bit more about it. Je suis l'adjudant Alain, j'appartiens à la Légion étrangère, au 1er régiment étranger de cavalerie. On est basé dans le sud de la France, au camp militaire de Carpiègne. Le char qui est derrière vous est un AMX-30B, un char qui a servi dans l'armée française dans la cavalerie. Des caractéristiques générales, il va faire 6,59 m de long, 3,10 m de large pour 2,50 m de hauteur. C'est un char qui fait 36 tonnes et c'est un des chars les plus petits qu'on puisse considérer dans la gamme des chars lourds. Il est armé d'un canon de 105 mm,
d'une mitrailleuse qui viendrait sur le côté en coaxial et d'une mitrailleuse qui serait en superstructure au-dessus. Il est également équipé de pots fumigènes qui se trouvent sur l'arrière de la tourelle pour permettre un masquage au fumigène. La capacité du char, elle est dans l'autonomie de 500 km. Il a à peu près 970 litres de carburant et il a une portée d'environ entre 1500 et 2000 mètres pour son tir. What were your favorite memories of being a crewman on the MX-30? Alors la plus belle chose que j'ai pu faire avec, c'était de faire du franchissement avec le char. C'est-à-dire que c'est un char qui a la capacité de passer sous l'eau. Voilà, il y a une petite préparation à faire dessus, mais c'est capable de franchir et de passer des cours d'eau en passant sous l'eau. C'est quelque chose d'assez exceptionnel à faire avec un char. And now for something a little unusual. The EBR Wheeled Reconnaissance Vehicle, designed by Panhard before the Second World War, but with production only beginning afterwards, it was one of the first post-war armored vehicles, with the AMX-13, to have an oscillating turret and a host of other radical design specifications. But who better to tell us a lot more about this vehicle than somebody who actually served on it? Richard, bonjour. Bonjour. Je suis le capitaine Jean du 1er régiment étranger de cavalerie et je vais vous présenter l'engin blindé de reconnaissance que vous avez devant vous. Il est armé par 4 personnels de l'équipage, 2 pilotes, un pilote avant, un pilote inverseur. Et sur la tourelle, vous avez un chef d'engin qui est à la fois chargeur et un tireur pointeur. Donc cet engin blindé de reconnaissance, dont les premières études ont eu lieu dans les années 1938, a vu sa mise en circulation en 1951. Et il est sorti du service dans les années 1983-84. Il a été remplacé depuis par la MX-10RC. Donc je peux vous donner quelques caractéristiques supplémentaires. Donc il a une dimension longueur de 6,23 m, une hauteur de 2,32 m et une largeur de 2,42 m. Donc il a une vitesse sur route extraordinaire pour l'époque, aux alentours de 115-120 km/h. Par ailleurs, il peut servir aussi bien sur route que sur chemin varié ou que sur chemin difficile, avec ses 8 roues qui sont à la fois directrices et pour les 4 qui sont devant, des roues pleines. Donc on pouvait crever avec, mais toute l'enveloppe interne est faite d'alvéoles de gaz. Les roues intermédiaires dites roues agricoles, donc elles sont escamotables. En déplacement normal, la roue monte, et lorsque vous êtes en tout terrain, la roue descend et permet donc à l'engin de pouvoir progresser sur différentes formes de terrain. Il peut franchir aussi un fossé de 2 mètres. 2 mètres de large. Son canon de 90 mm par la suite permettait de tirer des obus sur les chars qui étaient à une hausse de combat de 800 mètres et pouvait tirer sur des engins mobiles entre 1200 et 1400 mètres. Donc, pour l'époque, cet engin est quand même un fleuron de la technologie française. So what were your best and worst memories about serving on this vehicle? Alors, sur cet engin, le souvenir le plus négatif que j'ai, c'est lors d'un exercice régimentaire où on se déplaçait le long du Rhin. La température était tellement extrême que j'avais les doigts qui étaient gelés, j'avais l'impression qu'on me plantait des aiguilles dedans. Cet engin était tellement rustique que pour se réchauffer, il fallait qu'on pédale à l'intérieur de la tourelle. Ça, c'est pour le point, on va dire, le négatif. Et pour la partie positive, alors cet engin était tellement extraordinaire, très maniable, que l'on pouvait aller faire nos missions sur le terrain en terrain libre. Il n'y avait pas besoin d'autorisation particulière pour pouvoir reconnaître une zone. Alors, lorsqu'on était dans nos missions, donc facilité d'emploi, maniabilité et furtivité de l'engin qui est très bas. Donc, lorsqu'on faisait nos exercices tactiques, personne ne pouvait nous voir. Et il y avait un point extraordinaire sur cet engin. Lorsque vous avanciez, vous étiez au contact avec l'ennemi. Donc, on disait au pilote « stop, inverseur ». Et le pilote qui était derrière pouvait se reculer à une vitesse très élevée. That's really interesting. Now, I notice that you've brought along a steering wheel. What's the reason for this? Alors, ce volant, qui est très important dans le pilotage de l'EBR, est indépendant. C'est-à-dire que le pilote, quand il doit descendre dans son poste de pilotage, il enlève le volant, il se met en place, il positionne le volant et il le verrouille avec une étoile.
Donc caractéristique du poste de pilotage qui est très petit. Et en plus, le pilote, il avait comme mission de rouler, d'observer à droite et à gauche. Il avait entre ses jambes une mitrailleuse 2.7.5, hein, comme l'inverseur et comme sur la tourelle. Donc, le pilote avant, le pilote inverseur. Donc, une petite anecdote, quand on se déplaçait sur la route, le pilote continuait à rouler. L'inverseur sortait de son poste de pilotage et montrait le volant à tous les automobilistes qui étaient là. That's brilliant. Thank you so much for sharing your experience in this fantastic vehicle with us. Really appreciate it. This fundraising campaign will stay live. So if you're still not a World of Tanks player and would like to help the Foreign Legion veterans, simply register on this link. You'll be getting a lot of exclusive historical tanks and you'll be helping a good cause. You could also share the code Legion100 with your friends. And as part of our cooperation with the Legion, we'll also be making a lot more content to raise awareness. So stay tuned for more videos about the life of the Legionnaires and the equipment they use.